Donc voilà, le remontage d'un Packard Bell EasyNut LM. Donc, montage et démontage pour accéder à tout ce qui est carte mère, etc. Donc là, je vais faire le remontage, hein, puisque j'ai pas fait de vidéo du démontage. Donc voilà, pas oublier de remettre ça. Les petits trucs là, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Voilà, ces trois trucs là. Donc ça, vous pouvez le mettre avant ou après avoir fixé. Donc là, il se clipse, premièrement. Donc ça, c'est juste clipsé, comme ça. Et bien sûr, après, ça tient avec un certain nombre de vis. Voilà, donc j'ai vraiment pas beaucoup de temps parce que j'ai plus de mémoire. Mais il y en a ici, faut pas les oublier, ceux-là. Petite, et il y en a partout ici, à chaque trou, en fait. Il faut démonter aussi cette partie-là, donc pas besoin de démonter le disque dur ni ça pour l'instant, donc il n'y a pas de souci. Puis il faut enlever toutes les vis que vous trouvez, donc normalement c'est cette taille-là. Puis on a aussi des plus petites qui vont ici. Voilà, donc lors du montage, serrez pas trop fort parce qu'il y a certains supports qui sont en plastique, donc ça pète assez facilement. Pareil pour le démontage, ça tourne dans le vide, bah, c'est que c'est mort, hein. Tirer dessus, ça va casser, tant pis. Moi, ça me l'a fait pour certains, donc bon. Après, il en reste toujours beaucoup d'autres. Hein. Mais surtout, ne serrez pas trop fort non plus, parce que de toute façon, vous verrez bien. Voilà, il me semble que j'ai compté 19 grandes vis, et donc 5 petites vis ici. Ensuite, quand on a enlevé déjà ceci, qui va là. Là, donc pour enlever ça, là, faut d'abord tirer là-dessus, une espèce de petit truc marron. Vous le tirez vers là, tac, et ensuite vous pourrez déclipser ça. J'avais oublié de le dire. Et pour celui-là, faut juste ça, le monter vers le haut. Et ensuite, vous retirez la fiche. Pareil pour celui-là. Hop, vous tirez le petit truc marron, là, qu'on voit, là, qui dépasse. Là, vous prenez deux petits tournevis ou à votre méthode, hein. Et ensuite, vous retirez la fiche délicatement. Ça ne doit pas forcer. Et celle-là, vous avez juste à la tirer pareil. Voilà, donc une fois que tout ça est remis, le clavier, vous avez préalablement bien fixé, reconnecté. Donc il se clipe par le bas. Enfin, il tient par le bas. Et ensuite, il est clippé sur les côtés. Donc c'est des petits clips qui ne bougent pas. Et sur le haut, c'est ceux-là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc après, vous, pour le démonter, vous avez juste à pousser les petits clips, là, vers l'écran, on va dire. Hop. Et là, vous attendez un petit clic. Pardon, ça ne filmait pas, hop. Vous poussez. Hop, un petit clic, il est déclipsé. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite, ensuite vous tirez, tac. Il va se déclipser. Voilà, donc ensuite ça a remonté. Tac. Pareil, on le clipse. Il y a 5 vis. C'est terminé. Moi, j'ai démonté tout ça pour démonter le lecteur CD. Le lecteur CD, vous pouvez le démonter en enlevant juste cette vis-là. Et ensuite, en le sortant. Donc, préalablement, appuyez pour l'ouvrir. Éteignez l'ordi, enlevez la batterie. Dévissez cette vis-là. Vous le tirez. Et c'est tout. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Ciao.